Ouais, mais il faut bien leur dire qu'ils jettent pas de kiff. En fait, il y a plusieurs choses à dire sur ce moulin. D'une part, il s'est formé à un endroit où il n'a pas l'habitude de se former. Généralement, depuis 20 ans, 30 ans, le moulin se creuse 1 km en amont, juste à l'aval de la confluence de l'Échaud et du Tacul. Et là, cette année, ce moulin-là était complètement rempli d'eau parce que, suivant les configurations, des bouchons de neige, des pierres et la glace, il s'est complètement bouché. Il est resté en lac toute l'année, les alpinistes ont bien connu ça cet été 2014, et donc la Bédière a continué son cours et elle s'est jetée dans une crevasse à l'aval, 1 km à l'aval, donc c'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes des échelles du Mont-en-Vert, et là donc le puits s'est creusé. Alors ce puits, donc cette année il est très profond, puisqu'avec on a fait la topo avec des collègues spéléo, 108 mètres jusqu'au fond, avec un beau puits de 80 mètres, et puis 2-3 paliers au début, mais oui, peut-être que ce puits de 80 mètres, donc, rejoint plus ou moins, il y avait un moulin fossile il y a 2 ans, on était descendu à 30-40 mètres, et donc ça montre que déjà, dans ce virage, il y a une belle épaisseur de glace, on ne pensait pas qu'il y avait autant, déjà qu'on aurait pu descendre autant dans ce moulin, parce que 100, 110 mètres, ça fait partie des records de profondeur dans le moulin de la mer de glace.
Et d'autre part, c'est un moulin historique, puisque c'est Valo qui avait exploré ce moulin il y a une centaine d'années. Ils étaient quand même descendus à 60 mètres. À l'époque, le glacier avait 400 mètres d'épaisseur. Maintenant, 300, 250 mètres. Dans ce virage, peut-être 150 mètres. Donc, quand on descend au fond, on ne descend pas sur le lit rocheux, comme jamais d'ailleurs dans les moulins. Et on voit bien 2-3 cailloux au fond, mais on est encore sur de la glace. Ça veut dire qu'il y a encore de l'épaisseur de glace en dessous. Mais c'est toujours intéressant de descendre dans les moulins, parce que ça nous informe sur les circulations d'eau. Et quand on récupère l'eau, bon là l'EDF récupère l'eau à un endroit bien maintenant qui a été bien matérialisé par un puits de captage, ou quand c'est Mausson ou Glacier d'Argentière, les circulations d'eau ne sont pas toujours aux mêmes endroits. Tout dépend de la topographie sous le glacier. Et donc ça nous informe toujours, on récupère toujours des informations sur les circulations d'eau de surface à l'intérieur du glacier. C'est jamais la même forme, chaque année, jamais les mêmes profondeurs. Et là, cette année, presque 110 mètres, donc c'est une belle profondeur, c'est presque le record pour la mer de glace, quoi.